1, 2, 3. Donc Freilers, Wunderhoppe, Freilers, ça veut dire la joie, et enfin c'est aussi un type de danse, le Freiler. Freilers, Wunderhoppe, Hoppe, c'est la rupa, c'est le dé qui est utilisé traditionnellement pendant les mariages, sous lequel les mariés se trouvent, et qui symbolise souvent le foyer qu'ils auront à construire. Donc voilà, typiquement un morceau de mariage qui peut être accompagné soit un peu comme un Rossidel si on le joue lentement, soit plutôt comme un Freiler, donc avec une pompe régulière. Il est dans un mode qui s'appelle Miche Berar, qui est assez caractéristique dans les modes pour la musique klezmer, dans le sens où le quatrième degré est augmenté. Donc ça, ici, ça nous fait en La, La, Si, Do naturel, Ré dièse, la quarte augmentée, Mi, Fa dièse, Sol, et La. Voilà, Miche Berar. Je vais vous jouer une première fois le thème lentement. Donc il y a trois parties. Dans chaque fois, je vais vous détailler un peu les motifs et puis une proposition d'ornementation possible. Il y a juste la troisième partie où le mode change. Vous verrez, on passe en majeur. C'est quelque chose qui est assez fréquent, où comme si on donnait un nouvel éclairage à un autre caractère, à une des parties. Donc la première partie, une fois lentement. Petite levée avant de commencer le thème qui peut être mi ré mi ou juste des mi répétés, donc ça fait on est sur quatre doubles quoi, je joue pas la première, mi 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 la ou mi ré mi avec un ré dièse, ou alors juste une croche. Voilà, donc premier motif. On est vraiment sur les notes du mode, donc là. Ma proposition, un kreutz.
Ensuite, on a un petit motif qu'on va descendre en échelle. Donc là, il part du sol, on va au mi, on répète le mi, on va au do. Ok, donc... Ensuite, on revient à notre premier motif. Et là, on va monter au la. Donc soit on le fait de façon assez simple, et on va dire entre guillemets propre, soit on peut glisser les doigts en même temps qu'on fait cette montée. Voilà, j'accompagne tout mon geste avec des glissades. Et après, je souligne le contretemps. Je mets un accent. Ça permet de rythmer la mélodie, de lui donner... C'est comme ça, il faut imaginer qu'il y a des danseurs. Voilà, ça donne un petit accent, ça donne... Voilà, c'est des petites subtilités rythmiques. Alors, ça, c'est un ornement... C'est une inflexion, plutôt. Donc, on est sur la note, on la baisse et hop, on revient. C'est une sorte de pitch, la note, quoi. Et quand je reviens, c'est sur le temps. Alors, en fait, c'est une inflexion rythmique, on va dire. Ok, donc sur la descente. Je peux mettre un tri. Ok, donc... Ensuite, on retrouve notre premier motif. Donc là, on est sur 4 doubles, enfin en tout cas sur un débit de double. Tac, tac, on peut le diviser en 4. Et on va passer à un débit en triolet. Ça, c'est assez courant aussi. Donc... Ça, on le fait vraiment en triolet. Égo, je veux dire... Soit, ce qui est assez courant aussi... On joue entre triolet, deux doubles croches, ou triolet, croche, deux doubles. Donc ce qui donnerait, si je fais deux doubles croches, par exemple, un triolet puis deux doubles croches. Par exemple, donc je refais le motif. Voilà, par exemple. Et la fin. Avec un petit arpège pour finir. Ok. Ensuite, on a une partie B qui commence par un pont. Donc, classique, le pont classique. Soit on répète la même note, soit on se balade. Donc, on est sur un accord de la mineure. On peut aller sur la tierce, sur le do, sur la quinte, le mi. Au choix, donc ce qui donnerait par exemple... C'est souvent, voilà. Après, vous pouvez vraiment vous amuser. Ensuite, on arrive sur ce motif-ci. Ok, qui peut être augmenté de plein de façons, avec des crères, des tris. On peut aussi rajouter une note chanterelle entre chaque note. Déjà. Ok, je rejoue tout ce thème-là lentement.
le thème C qui va être en majeur. Donc avec un beau do dièse. Au début. Donc, petite subtilité, c'est qu'à la fin, ce mouvement-là, qui sont des triolets de double croche, là on joue mi, ré, dièse, do bécard, do naturel, do, si, la. On fait comme si on allait reprendre le mode du début, du thème A. Et en fait, petite subtilité, quand on fait la reprise de la partie C, et ben ça surprend vraiment do naturel. Et on ramène le do dièse. Alors, c'est juste un petit mordant. Là, c'est un mordant inférieur. Il joue le ré directement. De faire... Ré, je fais... Donc assez rapide, hein. J'attrape la note d'en dessous. Ré, do dièse, ré. Ensuite ré dièse. Donc un peu, ça met un accord de si majeur. Voilà. Et après, soit on retourne sur le thème A.